Il est parti déjà depuis une demi-heure. Bon, il va pas tarder. Bon, de toute façon, hein, il me casse les pieds depuis 3 jours. Le maître, il arrive. Tiens, te voilà, toi. Ouais, me voilà. Ouais, me voilà. Salut, Lino. D'ailleurs, comment ça? Bah, comme d'hab. Tiens, j'ai reçu mon paquet. Faut pas parler de malheur, hein. Bon, occupe-toi de tes légumes, toi. Allez, cause toujours, ça m'intéresse. Ah ouais. Regarde ça, c'est au poil, c'est le top des tops. Quand le radar, il va flasher, ça va repartir sur lui-même. Et c'est lui qui va se faire flasher. Alors, je t'explique. Faut bien tes abat-jour, d'accord? Laisse passer le vent. Quand un flash arrive, un radar est là, le brouilleur envoie ses excréments, tu vois. Mm-hmm. Et le flash est réenvoyé automatiquement derrière nous. Je vais te montrer la bête qui détecte toute chaleur animale. Regarde comme c'est bleu là, t'as vu? La vigilance, c'est la sécurité. Ben, un MacGyver, c'était vraiment la série de mon enfance. Je pense que mon mari lui ressemble un petit peu dans certains côtés. Ma voiture, c'est mes yeux, mes oreilles, mes neurones, mon cerveau, c'est tout. S'il a un orage, la foudre va toucher la voiture, mais elle va repartir aussitôt. Parce qu'elle va s'apercevoir qu'elle n'a rien à manger, quoi, tu vois. C'est un système qui est géré par l'ordinateur. Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ah mais c'est du fantastique, hein. Et ça, tu vois, c'est mon bip-bip, le coyote. On va allumer la centrifugeuse. Il est très simple à allumer. Alors ma poule, il y a dedans la centrifugeuse à protons. Et en plus c'est bio ça. Ah d'accord. Ah c'est entièrement bio ça. Mais c'est ça qui sent. Mais tu veux foutre le feu à la baraque. Enfin un test. C'est de la vapeur d'eau. Attends, tu l'as mis en hauteur. Ah oui, bah tiens, oui, tu l'as voilà, mis. Ah bah oui. Ah bah là, ça y est. Ben, je savais bien aussi. Mais si tu rangeais tes affaires mais aussi. Mais bien sûr, tiens, ça va être encore de ma faute. Bah bien sûr, c'est de ta faute. C'est pas moi qui m'occupe de ta voiture. Ça sert à une chose, à éviter de somnoler, voire éviter de s'endormir profondément. Il n'y aurait pas plus simple comme méthode. Juste du super pour la voiture et des ailes pour le conducteur. Red Bull vivifie le corps et l'esprit.